Je viens de dire tout à l'heure, guerrier du seul, et c'est peut-être avec notre un peu triste et que nous avons fini et nouvelle la matin. Hein. Même là, c'est pas la mort, ça il faut commencer par le dire pour mon yo pas beaucoup plus dans la peine que Jean-Louis. Hein. Donc, confrère-nous au niveau de Magic 9, et effectivement, c'est confirmé, les victimes d'une tentative d'assassinat au niveau de Delma 40B. Et nous avons ici rentré en contact avec Franz Duval, qui est rédacteur en chef, et qui est un responsable très influent au niveau du groupe Le Nouvelliste, et lui-même qui confirme l'information en tout avec un tweet. Mais malheureusement, nous parlons avec de l'autre monde qui proche, je dis que FD, comme il a toujours été comme ça, en mouvement, donc ça vient de faire qu'il n'est pas vraiment disponible pour parler avec nous. Mais ce qui est certain, c'est que nous arrivons à parler avec un proche collaborateur, Robertson Alphonse, qui est un journaliste Magic 9 Tour et Le Nouvelliste, qui est habitué à présenter bon côté Robertson Alphonse, émission Panel Magique tous les matins à partir de 7h, qui confirme, qui dit effectivement, Robertson Alphonse prend deux balles et dans Brali. Pour l'instant, la recevoir soin dans l'hôpital, dans la capitale, là, Jean-Franc Duval confirme le tout dans le tweet là. Et mais nous avons une photo et machine Robertson Alphonse et nous avons demandé à Misuel Timothée et pour permettre que l'auditeur avec internauteur même disons internauteur plutôt et yo ouais machine là et qui nous capable compter sur les gagnants plus passer 5 impacts et balles donc ça veut dire c'est vraiment 7 même là hein? Oui moi ouais, plus que 5 ouais. Donc pour les guizois 6 7 8 même ouais. Donc ça c'est ça nous ouais comme impact mais pas grand chose pas tirer plus si pas gagner l'autre et qui passer peut-être exactement mais ça certain qu'il y a plus que 5 impacts balles donc ça sont mon vient touiller tout oui, carrément oui, oui. Ça sont mon vient touiller et c'est en direction de chauffeur là j'en ai essayé garder là donc Robertson Alphonse son journaliste qui passait et deux présentations hein. Moi-même pour être avec nous, c'est un journaliste que moi-même, je prends plaisir et attendez parce que c'est un journaliste qui gagne en culture enragée et qui est très informé sur un paquet de gros dossiers en pays, il y a notamment les dossiers économiques. Mm-hmm. Et c'est un journaliste qui a interviewé, ils ont invité. Donc, vous pensez et gagne de quoi, ou même comme auditeur, vous chita attendez. Eh bien, c'est journaliste ça qui ont belle plume au niveau du journal Le Nouvelliste, eh bien, qui manquait quitter nous au matin, hein, toujours, et dans le cadre de train insécurité, qui a valé terrain, hein, dans le cadre d'action malhonnête, bandit Axamio, eh bien, Robertson Alphonse, Jean de Ziltalea, et qui est arrivé sauvé de justesse en bas en tentative d'assassinat, et plus de peur que de mal. Et ça, c'est la nouvelle, c'est un peu réjouissante. Donc, l'inon état qui est stable, et là, prend soin, Jean de Ziltalea, dans l'hôpital. Dans la capitale. Donc, nous, dans notre toute équipe Radio Caraïbes, dans notre toute staff journal la première occasion, salle des nouvelles, là, nous avons souhaité un bon rétablissement à notre confrère, nous, Robertson Alphonse, que pays a, que Haïti a pile d'admiration pour lui. Oui, donc déjà, nous souhaitons bon rétablissement avec Robertson Alphonse. Nous avons fait